Philippines, le service de la médiathèque est installé dans des préfabriqués. Ce n'est que début 1983 que le bâtiment actuel conçu par l'architecte Dominique Letellier est inauguré. La modernité et l'originalité de cette construction perdurent 40 ans après. Toutefois, le conseil départemental, soucieux de maintenir à la fois l'accueil et la qualité du service rendu aux bibliothécaires de Tarn-et-Garonne, a décidé de réhabiliter le bâtiment dès l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, Béatrice est assise à votre place et elle enregistre mes livres. Elle s'ouvre et elle est convaincue. Vous n'avez qu'une obligation, c'est de ne jamais fermer une médiathèque ou une bibliothèque départementale. Par contre, vous avez la liberté de porter cette évolution. Et donc, c'est une forme de liberté que nous devons saisir. Le conseil départemental soutient pleinement le développement de la lecture publique, mais aussi de la lecture sur l'ensemble du territoire Tarn-et-Garonne.